tous. Donc voilà, je pense que vous allez vous connecter tout doucement. Il est 18h30, mais je sais que cette journée et cette semaine étaient bien particulières pour vous tous parce que c'est la semaine de la rentrée scolaire. Donc ce n'est pas forcément évident de se connecter à l'heure. Donc ce qu'on va faire, ce n'est pas grave, on va commencer. Tous ceux qui prendront en cours, n'hésitez pas à le dire. Aujourd'hui, j'ai mon caméraman. Manon me filme, donc ça va être plus pratique pour répondre aux questions. Et je vais vous présenter, bien entendu, vous pourrez voir en replay ce soir, une recette qui va nous permettre d'utiliser le découpe minute, c'est-à-dire cet appareil que vous avez, je le sais, tous envie d'avoir. Donc, qu'est-ce que nous avons réalisé ce soir? Je vous ai montré les ingrédients tout à l'heure. Alors, je peux commencer par vous montrer les ingrédients et vous allez essayer de deviner la recette. On va réaliser une recette avec des pommes de terre que j'ai épluchées avec l'épluche légumes. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont et qui l'utilisent. J'aimerais bien avoir aussi votre avis. Voilà, ça fait des petites pommes de terre bien rondes. Parfois, il peut rester un petit truc, mais franchement, c'est plutôt très bien, je trouve. On va utiliser un oignon, de l'ail, du sel, du poivre, de la farine, des œufs et de l'huile. Alors, à votre avis, et avec le découpe minute, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme recette ce soir? Une recette, je vous ai choisi une recette ultra rapide à réaliser pour justement vos menus de rentrée des classes. Alors, j'attends un petit peu vos explications. Pendant ce temps-là, je la prépare sur mon Thermomix. Si vous voulez répondre, si vous avez une idée de la recette, eh bien, vous allez pouvoir me le dire. Alors, j'espère qu'on ne va pas être déconnecté sans arrêt, parce que mon Wi-Fi est déjà déconnecté. Qu'est-ce que vous avez prévu, vous, dans votre menu de semaine? Je pense que je vais vous donner des idées au fur et à mesure sur le groupe, parce que vous me dites tous que ça vous aide bien. Donc là, dans la semaine, eh bien, j'ai prévu les paillassons de pommes de terre. Alors, on va commencer à cuisiner les paillassons. Je vois que Catherine, tu es en ligne. Je te fais un petit coucou. Donc, on va mettre un saladier sur le couvercle du bol. Pour préparer nos oignons, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, j'ai posé mon saladier sur le bol, les oignons, les pommes de terre, l'ail, et maintenant on va insérer l'axe. Donc voilà, je vais vous montrer comment on utilise cet appareil. Donc on va prendre l'axe et on va le déposer à l'intérieur sur les couteaux. Manon nous montre bien. Et puis ensuite on va mettre le panier à découper et on va mettre le disque sur la face 2. Il y a une face qui râpe et une face, voilà, râpé gros, râpé fin ou émincé épais, coupé en rondelles ou rondelles fines. Donc là, on va mettre sur la face 2 vers le haut. Donc la face 2, c'est pour râper. Quand on veut râper, on met toujours la face vers le haut. Voilà, ça se pose juste dessus. Et puis, je vais mettre maintenant mon couvercle. Alors, on a une jolie photo qui nous montre comment l'utiliser. Donc, mettez toujours... C'est bon. Ah, encore une connexion nécessaire. Toujours la cheminée vers vous. Ce qu'on appelle la grande boulotte et le poussoir. Et là, tout de suite, ça, c'est comme ça que vous allez pouvoir l'utiliser avec votre TM5. Ça va être marqué 1 minute vitesse 4. Je vais vous montrer comment ça se passe quand on veut juste râper. C'est-à-dire qu'on va aller ici et on va avoir râpé fin ou râpé épais. D'accord? Donc on n'aura qu'à tourner pour pouvoir après faire notre poussoir. Ici, pour vous, la minute vitesse 4, eh bien, ça va être vraiment pour le râper, et il y aura après du sens inverse.
évidemment qu'on appuie. Bon, c'est un petit peu le défaut en live, hein. C'est pas évident d'entendre du bruit comme ça dans la recette, mais j'ai bien entendu vos différentes marques et j'essaie de ne pas parler pendant. Donc là, ça y est, maintenant, on a râpé, vous avez vu en 30 secondes, hein, parce qu'il y avait une minute de noter, nos 800 et quelques grammes de pommes de terre. Maintenant, on va mettre les oignons et... C'est bon. Je vais mettre les oignons. Toujours, vous voyez, il faut toujours bien positionner ces oignons comme ça, dans la grande boulotte. Voilà. Et moi, je vais mettre les gousses d'ail par-dessus, parce que je trouve que ça ne sert à rien de faire deux fois. Suivant. Et là, je vais remettre en route, en effet, en poussant et en mettant vitesse 4, comme vous ferez sur votre TN5. Voilà. Donc là, en 3 secondes, notre oignon est... Et notre ail est faite. Donc on va retirer le panier. Vous voyez, et ce que je trouve génial, c'est que là, votre grille, elle reste accrochée au couvercle. Et ça, c'est super pratique. Donc là, on a fait un râpé épais. Donc, pour vous expliquer, le râpé fin, quand vous faites le râpé fin sur votre Thermomix TN5, vous passerez en sens inverse. Et le râpé épais, on fait en sens normal. Retirer le panier, on enlève et on va transvaser le contenu de ce panier dans le bol. Bon, là vous voyez l'avantage, c'est que même si on a fait notre recette, le bol il reste toujours propre. Il y a Louisette Cosno ou Cono, je ne sais pas, qui regarde. Bonsoir Louisette. C'est un petit moment, on n'a pas eu l'occasion. Là je commence à faire chauffer ma poêle pendant avec un peu d'huile. Pour faire frire mes paillassons. Bon, ça, ce sont des petites choses que vous pourriez faire, vous, tranquillement après. Moi, j'essaie de gagner du temps en vidéo. Donc là, on va tout transférer dans le bol. Très étonnée qu'on le fasse en râpé épais, nos pommes de terre, là. Moi, je l'aurais fait en râpé fin. Il me semble que mes collègues l'ont fait en râpé fin. De tout tester. Voilà. Cette recette qui est vraiment excellente. Voilà. On va rajouter dedans 70 g de farine et si on voit que c'est un petit peu trop liquide, on en mettra plus quand on aura tout mélangé. Voilà, ça c'est fait. On va mettre nos œufs. Vous avez vu, j'en tape deux l'un contre l'autre et je n'en casse qu'un. Je ne casse pas sur le bord de mon thermomix. Et ça, vous êtes habitué, on vous le dit régulièrement. Ensuite, le sel et le poivre, donc j'ai tout mis dans le même, une cuillère à café et demi de sel et une demi-cuillère à café de poivre. J'ai tout mis directement ensemble. Et le poivre, et on va mettre le couvercle de blé. Et là, on va remélanger, donc 20 secondes vitesse 4 en sens inverse. Pas mal.
qu'elle soit bien enrobée de d'œuf. Donc là, c'est parfait. Et ça ne doit pas trop couler de la cuillère. D'accord ? Si ça coule, un petit peu plus de farine. Bon, je pense que c'est pas trop mal. Et ensuite, on va faire cuire nos galettes à la poêle. Voilà, on demande de le refaire 7 secondes vitesse 4 pour mélanger s'il y a vraiment une nécessité, si on a rajouté de la farine. Je vais le refaire. Et ça sera sûr. On sera sûr que tout sera bien mélangé. Et puis on va transvaser dans un saladier et on va réserver. Voilà, tout ça pour ensuite faire tranquillement nos petites galettes de pommes de terre qu'on appelle des paillassons. Alors testez aussi en faisant ce découpe minute, évidemment, il va vous servir à plein de choses, vous allez voir. Vous allez pouvoir le découvrir au fur et à mesure des lives, des recettes sur le groupe. On a déjà vu qu'il pouvait aussi donc trancher le concombre, trancher le saucisson. J'ai trouvé ça extraordinaire. Là aussi, vous auriez pu rajouter dedans, par exemple, un petit peu de fromage, de gruyère que vous pouvez aussi mixer. Là, je trouve que ça reste un petit peu de jus quand même. J'avais bien essuyé mes pommes de terre. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter la petite cuillère de farine dont ils avaient parlé. Voilà. Pour faire nos jolis paillassons. Et ensuite, on va les faire cuire à la poêle. Et puis, dans un peu de friture, bien entendu, hein, d'huile. Donc, moi, j'ai mis de l'huile d'olive. Il y a Blandine et Laura Métivier qui regardent. Ah, bonsoir Blandine, bonsoir Laura. J'espère que vous allez bien. Donc voilà, je vais te mettre par ici Manon, qu'on voit bien. Parce que là j'ai mis sur mon feu plus fort. Bon, c'est pas trop ce que j'aime faire à la friture, mais qu'est-ce que c'est bon quand même. Voilà. Pas dans l'effet de la taille qu'on veut, bien entendu. Je vais les faire cuire par 4. Je vais vous montrer pendant qu'elles cuisent une petite sauce pour accompagner. Parce que dans cette recette, il y a une sauce de prévu avec un yaourt à la grecque, tout simplement, du sel, du poivre et, chose étonnante, un peu de sucre glace. Et nous, je vais vous montrer une autre recette de petite sauce qui me semble très sympa. C'est la recette de la sauce concernant les potatoes. Donc là, en fait, hein, on va laisser cuire, vous voyez, à peu près 3 minutes par côté. Et puis nous, ben, on va continuer. Et on égoutte, en fait, sur du papier absorbant l'excès d'huile. Je vais vous montrer ça. Et on sert aussitôt, donc accompagné, 10 de yaourt à la grecque et légèrement saupoudré de sucre glace. Moi, je vais vous montrer une autre recette. Donc, voilà, l'avantage d'avoir les deux bols aussi, c'est que je ferai mon nettoyage après. Ça va être dans la recette des potatoes. Potatoes au four. Ça, si vous n'avez pas essayé cette recette, faites-le. Et là, vous voyez, potatoes au four et leur sauce crémeuse, c'est excellent. Et nous, on va faire simplement la sauce crémeuse. Donc ça, c'est une petite astuce aussi. Vous allez tout de suite sur l'étape. D'accord ? Donc dans cette recette, il va nous falloir du sel, du poivre, de la crème fraîche, 2 cuillères à soupe, 1 cuillère à soupe de vinaigre. Il va nous falloir aussi 3 cuillères à soupe de mayonnaise maison, une échalote et du persil. Donc il nous demande de mettre 30 g d'échalote, 2 brins de persil et là on va faire 5 secondes vitesse 5. Donc si vous voulez bien mixer votre persil, vous pouvez aussi, souvenez-vous, je vous apprends souvent cette astuce, c'est de faire sur les couteaux en marche, c'est-à-dire
On met vitesse 7 et on lance. On met notre persil directement comme ça. On va laisser lever. D'accord? Je vais vous montrer le résultat. Voilà. La persil, quand on a des petites quantités, ça permet d'avoir un meilleur mixage. Il y a Valérie Duval qui regarde. Et Blandine qui nous dit qu'elle a hâte de faire les chips de légumes avec le découpe minute en complément de ce live. Ah oui, ça c'est vrai. Une très bonne idée. Donc nos 30 g d'échalotes, je les rajoute. Bon, il y en a un peu plus. Je vais peut-être en enlever un peu quand même, parce que notre échalote est assez forte. Voilà, ça va aller. Suivant. Et là, on va mettre le gobelet, on ne peut pas gobelet dans ce cas-là. Donc, pendant que nos paillassons cuisent, nous, on se fait une bonne petite sauce. Le couvert, le gobelet, qui est passé juste là. Ici. 5 secondes, vitesse 5. Je les retourne. C'est pas sûr du tout qu'on mange tout de suite. On a des rentrées, elle a des horaires différents ce soir avec la rentrée scolaire. Voilà, c'est bien appétissant, hein, maman. Ça te tente? Oui, ça sent bon. Ça sent bon. Alors, on va rajouter notre mayonnaise. Donc, on va bien racler les parois. Si je prends cette spatule, c'est très bien. Vous savez que maintenant j'ai deux spatules. Maintenant qu'elles sont très souples, je rabaisse tout au fond du bol. Je vais mettre de la mayonnaise. Bon, alors vous avez deux façons de faire la mayonnaise. Hein. Vous savez, sans la faire cuire ou en la faisant cuire. Si vous êtes intéressé pour conserver votre mayonnaise plus longtemps, vous pouvez la faire cuire. Je pourrais vous donner la recette si vous voulez. La crème fraîche. Le vinaigre. Tout est pesé d'avance. Quand vous préparez les recettes, pas obligé de se peser d'avance. Ça vous évite quand même beaucoup de vaisselle. Moi, je prépare tout à l'avance, mais c'est vrai que ça évite de la vaisselle quand on pèse en même temps. Par contre, sortez tous vos ingrédients et là, vous allez voir, c'est vraiment plus pratique de réaliser votre recette. Ah oui, ce que je n'avais pas dit tout à l'heure, il y a le sel, le poivre, mais il y a aussi un petit peu de sucre dans cette recette. Vous retrouvez un peu une gourmandise comme dans les fast-foods. Voilà. Sel, poivre, ça j'ai mis. Et on va mettre le couvercle et le gobelet. Et là, 10 secondes, vitesse 3,5. Et là, c'est parti. Pour réaliser notre petite sauce. Transvaser dans des petites coupelles. Alors, vous pouvez servir, par exemple, pour chacun. Ça, ça peut être très sympa, on fait souvent ça à la maison, ce sont des mini coupelles. Je remercie Valérie du Sud. Et ça peut être aussi une bonne solution pour mettre votre petite sauce pour chacun. Et c'est vrai qu'il y a une couleur qui est assez sympa. Je vais vous montrer ça. Elles sont bonnes dans le pot, c'est très tentant. Allez. Je vais tout mettre dans le plus grand, faire nos portions au moment du déjeuner, de dîner. On a du choix pour ce soir. On a aussi des tomates farcies. Ça, c'est vraiment nous, notre plat d'été qu'on adore. Ce sont les tomates farcies. Vous, qu'est-ce que vous aimez faire l'été comme recette? Il y en a plein qui prennent les tomates farcies en plat d'hiver, mais c'est plutôt un plat d'été. Et là, on le montre. Merci.
partie avec la recette thermomix. C'est l'avantage. Bon, avec très peu d'ingrédients, vous avez vu, on a quand même déjà une belle petite quantité de sauce pour tremper nos paillassons et encore meilleur, tremper nos potatoes. Vous voyez, les galettes vont être cuites. On va pouvoir les mettre à égoutter. Voilà. On va mettre les deux côtés. On les fait un petit peu comme on aime. Et ça, c'est une recette qui marche super bien. Vous avez vu, alors après, vous pouvez agrémenter. Là, on n'a fait qu'avec des pommes de terre. Vous pouvez faire aussi avec plein d'autres légumes, vous vous doutez. Avec des carottes. Vous pouvez faire avec des courgettes. Vous pouvez faire avec du céleri. Remoulade, là, le céleri boule, plutôt tranche. Hein. Céleri boule. Il y a plein de légumes que vous aimez. Vous pouvez faire aussi des mélanges. Là, s'il y a besoin, on rajoute un petit peu d'huile dans la poêle. Moi, je vais faire cuire en plusieurs fois. J'ai le temps de mettre moins d'huile et faire cuire en plusieurs fois. Là, s'il y a un petit peu trop de jus, vous voyez ce que je vais faire, je rajouterai un peu de farine, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hein, c'est reparti. Vous voyez, on va pouvoir se faire une jolie assiette. Je vais vous faire la présentation pour que vous voyez au plat. Bravo. Que vous voyez avec le découpe minute. Ça donne. J'ai oublié l'assiette. Donc on va mettre notre sauce. Pour manger avec nos petites paillassons. On va prendre paillasson, on les pose à côté, une petite salade, vous voyez, vous faites un plat du soir très sympa. Alors, qui est adepte de la recette, qui a envie de la réaliser, il y a un petit peu de salade, qui est prête toujours chez nous, toujours un peu de salade de prête, quelques tomates cerises, si vous en reste, et si vous en avez encore dans votre jardin. Il y a Catherine Jarry qui demande est-ce qu'il est à la vente ? Donc alors, je suppose le découpe minute. Alors voilà. Catherine, tu veux parler du découpe minute, je suppose. Alors ce découpe minute, il n'est pas encore à la vente. Par contre, Thermomix te permet de le gagner pour l'instant. Comment tu peux le gagner ? C'est très simple, c'est en organisant chez toi un atelier, puisque toi tu as déjà le Thermomix TM6, en organisant un atelier. Ne cherche pas des personnes qui veulent s'équiper, mais plutôt des personnes qui souhaitent découvrir le Thermomix pour l'instant. Et jusqu'au 9 octobre, tous les ateliers que vous allez réaliser, si dans les deux semaines qui suivent votre atelier, une personne s'équipe du Thermomix, eh bien vous aurez en cadeau le découpe minute qui est quand même d'une valeur de 99 €. Il ne faut pas oublier aussi que, bon, en effet, si vous n'avez pas d'achat à votre atelier, eh bien, vous aurez quand même le cadeau d'une année d'abonnement à Cookidoo ou bien du disque éplucheur qui complétera bien l'utilisation de votre Thermomix ou alors le livre des poissons qui vous permet de réaliser des recettes poissons et fruits de mer. Voilà. Donc voilà le résultat de notre live. Catherine, si tu veux, on échangera ensemble. Et on pourra en reparler. N'hésitez pas à me contacter rapidement parce que l'agenda se remplit pour vous permettre de gagner ce découpe minute. Ne cherchez pas des invités, des acheteurs, cherchez plutôt des invités qui ont envie de découvrir le Thermomix et vous verrez, ça va de soi quand on fait un atelier que ce Thermomix il plaît à beaucoup de monde.
Donc voilà le résultat de notre live. J'ai parlé de petites tomates cerises. Est-ce qu'il m'en reste du jardin? Oui. Voilà, donc vous pouvez agrémenter votre plat comme vous l'aimez, bien entendu. Bon là, je suis allée dans une petite quantité de salade, mais tout ça, bien entendu, on peut rajouter tout ce qu'on veut. Avec un petit filet d'huile dessus, vous aurez tout de suite un magnifique résultat. Je ne mets pas mon filet d'huile parce qu'on ne va pas manger tout de suite. Donc voici le résultat de notre live. Et je vous remercie de votre participation. Pour tous ceux qui regarderont en replay, n'hésitez pas à répondre à mes petites questions en me disant ce que vous aimez faire comme recette l'été, ce que vous allez faire en recette de rentrée et si cette recette vous a donné envie de la réaliser chez vous. Et puis, dans ce cas-là, avec grand plaisir, je viens la réaliser chez vous. Je vous souhaite à tous un excellent week-end, pardon, et je vous dis à très bientôt. Donc attention, la semaine prochaine, le live ne sera pas le vendredi soir parce que exceptionnellement je serai en atelier chez une cliente. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et à très bientôt.